Yo, c'est la Team S3 et aujourd'hui, on a décidé de répondre à cette phrase qui revient souvent. Tu vois, moi j'ai une théorie sur les freestylers. Sur un grand terrain, ils sont rincés, tu vois. C'est-à-dire que la profondeur, le physique, tout non, ça, ils sont claqués, tu vois. À la limite, sur un grand terrain, ils pourraient jouer goal, tu vois. Ils te la font tourner sur la main, tu vois, ça peut faire kiffer le public. Mais en vrai, sur un grand terrain, non, ils doivent être rincés quand même. Alors, on va vous montrer 10 gestes de freestyle utiles sur un terrain. Ok, on va commencer avec le premier geste, le Tetris d'Andreas. Il passe au deuxième geste, le Pogbatrix fait par Moss. Yo, maintenant on va passer au prochain geste fait par Trafalgar, le Sambatrix. Let's go! Maintenant on passe au prochain geste, le Braca avec Brian. C'est parti! Ok, c'est parti pour le geste suivant, le Salsatrix, fait par Oas. Ok, maintenant on passe à la suite, le Rainbow Warriors avec Moss. Yo, maintenant on va passer au prochain geste avec Oas, c'est le Ni Aka, c'est parti mon gars. Ok, maintenant au tour de Brian avec la guillotine. Ok, c'est reparti avec Andreas et la roulette 3-6. Ok, maintenant on va enchaîner avec mon gars Trafalgar et le Moss Trap, c'est parti. Yo, c'était la Team S3. On espère que vous avez kiffé la vidéo. Un gros big up, un gros merci à Ismaël qui a joué le gardien. Dites-nous en commentaire parmi les 10 figures celles que vous préférez le plus. N'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos avec le hashtag S3 Freestyle, des meilleurs gestes que vous avez réussi à reproduire. Et d'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Ouais, ok, let me introduce you our new member. S3 is S4. No, S3. Mr. Paul.